Ils n'ont pas le cœur gai dans leur humble chambrette, les deux jeunes époux honnêtes ouvriers, car leur unique enfant, leur petite Jeannette, malade à l'hôpital un jour dû s'en aller. C'est aujourd'hui dimanche, c'est jour de visite, et le jeune mari s'habille prestement. Sa femme lui dit « pars » et surtout « reviens vite, me dire comment va notre petit enfant. Moi t'accompagner je ne puis, j'ai trop de travail, dis-le-lui, pour finir la robe blanche qu'elle mettra le dimanche. » Pour la parer plus gaiement, que faut-il, dentelle ou ruban? Je crois qu'un peu de dentelle, répond-il, fera bien mieux. Et notre fille sera belle comme un ange des cieux. Le brave homme s'en va marchant d'un pas rapide. Il arrive bientôt, il entre à l'hôpital. Sur son petit lit blanc et la mine livide, il aperçoit sa fille et la trouve plus mal. Il va voir le docteur, le presse, le questionne. « Comprenez-moi, monsieur, j'ai besoin de savoir. Ah, je peux tout entendre, allez, je me raisonne. Ayez donc du courage. » Il n'y a plus d'espoir. Et le père étouffant ses pleurs, à l'enfant cache sa douleur. Et sur sa couchette blanche, vivant son dernier dimanche, entendant ses petits bras, l'enfant murmure à son papa: je veux ma robe en dentelle avec de beaux rubans bleus. Tu l'auras et tu seras belle comme un ange des cieux. Le pauvre homme repart, allant comme un homme ivre, et s'appuyant au mur, il marche en titubant, car sa femme, il le craint, ne pourra pas survivre à la cruelle fin de la petite enfant. Mais il trouve la force en lui pourtant de dire à sa femme en rentrant, écartant de son front le nuage soucieux, à sa femme en rentrant presque dans un sourire: allons, console-toi, notre fille va mieux. Et tandis que l'enfant se meurt, la maman dit la joie au cœur: regarde la robe blanche qu'elle mettra le dimanche pour la parer plus gaiement. Que faut-il, dentelle ou ruban? Je crois qu'un peu de dentelle, répond-il, fera bien mieux, car il pense qu'elle sera plus belle pour monter